Canadian War right here on the left. We're now going alongside the Western Wall. We're still not inside the fortified city. So the bonjour, le bureau, le west de la fortification. Alors nous ne sommes toujours pas à l'intérieur de la ville fortifiée. Vous allez voir deux petites entrées. Il y en a une plus grande que l'autre. Vous avez vu pourquoi. There's two small entrances here on the left. One is bigger than the other. Do you know why? Somebody's going to say it. Ah, you got it. One was for the horses, the other one for the soldiers. As you can see, we had tiny soldiers. Alors, c'est ici qu'on tient le plus grand carnaval hivernal au monde. Rubber jacket. Ensuite, en 1906, bridge. The Quebec Bridge is going to be at the far end right where I'm pointing. Alors, de notre côté de la rivière, c'est la ville de Lévis, qui s'appelle ça dans les 125 000 personnes. On the other side is the city of Lévis. C'est 150 variétés de fleurs dans ce jardin. Il y a aussi une plaque pour commémorer notre hymne national. Les rivets de la guerre des 7 ans à l'époque. C'était une bataille très déterminante et très importante pour l'Amérique du Nord et les 13 colonies. C'était entre le général français Louis-Joseph de Montcalm et le général anglais James Wolfe. Pendant l'été de 1759, plus de 40 000 obus ont été lancés par les Britanniques sur Québec, détruisant beaucoup de la base ville où on se trouvait tout à l'heure. Les deux générales Wolfe et général Montcalm sont décédés dans cette bataille, qui a duré qu'environ 30 minutes, tuant 300 à 400 soldats. From the Seven-Year War. It was between the French general Louis-Joseph de Montcalm and the English general James Wolfe during the summer of 1759. Over 40,000 firebombs and cannonballs were shot on Quebec by the British, destroying a lot of the lower town of where we were earlier. Nous sommes maintenant sur la rue Cartier. Très jolie rue avec plusieurs magasins, boutiques et restaurants. Et regardez ces lampadaires, nice stores, boutiques, restaurants. And look at these street lamps. That's what they are. They're actually street lamps painted by different French Canadian artists. Built in the 1840s. They used the Church of St. Trinity in Paris, France, as a model to build this church. They also, which also has one of the nicest facades of all the businesses, booming very much. Another nice architectural house on the right. J.A. Moisson. The first Anglican church in Quebec. But it has changed venues. It's now in front of you. That round sign that you see is actually the Cabaret du Capitole, the oldest theater in Quebec, which was built in 1903. And Céline Dion did her beginnings when she was a young singer. But here, the Cabaret du Capitole on the left. Nous sommes à l'intérieur de la ville fortifiée. We're now entering the fortified city.
Yes, it was Storr's restaurant. Pour les meilleurs boissons au chocolat. This is also where the best bakery in Quebec is. And they make the best chocolate croissant ever made. I'm sorry? Where? I'm not going to tell you. Too bad. No, it's right here on the right. C'est juste ici. Vous côté droit. Alors, juste pour vous rappeler que sur vos bracelets, vous avez le nom Profit Fino qui vous offre 15% de rabais si vous décidez d'aller manger là. Just a reminder that on your bracelets you have the Profit Fino restaurant which offers you 15% discount if you decide. Vous avez le meilleur. Portofino en or, vous le Portofino du côté gauche. Nous longeons ce qu'on appelle. Center, la Bibliothèque anglophone de Québec, qui est une petite. Cooperfizer.com, vous connaissez ça? Cooperfizer, my name is Daniel. If you did not like my tour, my name is Jean-Paul. C'est ça. Vous avez mon. Vous n'avez pas été mon tour, mon nom, c'est mon père. Nous passons la citadelle, vous passez la citadelle. Et bientôt, je vais vous montrer un arbre qui a quelque chose de particulier. Il y a en fait un boulet de canon incrusté dans l'arbre. Vous allez être peut-être obligé de vous lever pour le voir.